Paris multipliait encore ses gains vendredi après l'ouverture de Wall Street. Deux places qui saluaient à leur manière la publication de chiffres de l'emploi rassurants ici aux États-Unis. Preuve que la machine, entre guillemets, est repartie en avril sans pour autant s'emballer. À 17h, le CAC 40 prenait 2,50%, juste sous les 5100 points, avec notamment Alcatel-Lucent et Lafarge en locomotive. Et la première des sociétés à suivre aujourd'hui est Genfit. La biotech lilloise présente un chiffre d'affaires de seulement 0,15 million d'euros au premier trimestre 2015. C'est tout simplement 1 million de moins qu'il y a un an. Le tout sous une trésorerie s'élevant à 69,49 millions d'euros. Le titre de Genfit vendredi à 1h donc de la clôture avançait tout de même de 1,72%. Et l'opinion des analystes de l'OPSA est haussière sur cette valeur. Second groupe à surveiller, justement j'en parlais, Lafarge, le spécialiste de la construction qui a vu les actionnaires de Holcim approuver l'augmentation de capital, une étape décisive en vue de la fusion entre les deux groupes. Vendredi, le titre de Lafarge gagnait près de 1,3% à 64,12€. Les analystes de l'OPSA ont là aussi une opinion positive sur cette valeur. Et première recommandation de la semaine, proposée comme toujours par Trading Central, porte aujourd'hui sur le groupe cosmétique L'Oréal. Son titre a pris appui sur la zone de support à 165,20€ pour stopper sa correction et entame ainsi une phase de rebond. Il repasse au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours, tandis que son RSI revient en territoire positif. Ainsi, au-dessus de 165,20€, une poursuite de la hausse est attendue vers 180,30€, puis 190€. Et d'ailleurs, pour jouer cette valeur, eh bien voici la stratégie conseillée par Trading Central avec donc l'achat du warrant call 10,81T d'UniCredit. Le prix d'exercice est fixé à 20€ tout rond et la date d'échéance au 4 décembre 2015. Pour Trading Central, depuis derrière moi, vous le voyez, le New York Stock Exchange, c'était Sébastien Giron. Excellente fin de journée, on se retrouve demain.